Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous faire une petite présentation sur qu'est-ce que la DSN, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter et vous pousser peut-être à vous y intéresser assez vite, parce que vous allez voir, 2016, c'est demain. Donc, une petite définition de la DSN. Qu'est-ce que la DSN ? C'est une déclaration sociale nominative qui est en fait une transmission unique, dématérialisée, qui se substituera peu à peu à la quasi-totalité des déclarations sociales actuelles faites entre les entreprises et les organismes de protection sociale. En fait, elle provient d'un projet de loi, de la loi de simplification de mars 2012. Donc, c'est pas... c'est pas, entre guillemets, une idée en l'air, c'est vraiment un projet bien organisé. Ses objectifs principaux, comme indiqué, simplifier les démarches de l'entreprise, sécuriser les droits, optimiser vos procédures, dématérialiser le plus possible, on est dans la continuité de tout ce que vous pouvez connaître au niveau de la dématérialisation des cotisations sociales, une petite lutte contre la fraude et évaluer les politiques publiques. Ça. Quelques éléments de contexte. Donc cette loi de 2012 qui institue la DSN a donné une approche. Donc deux jalons. Un démarrage dès janvier 2013 sur le volontariat des entreprises. C'est pour ça que vous avez vu dans la petite vidéo qu'il y a des entreprises qui sont déjà rentrées dans la DSN avec une obligation en 2016 pour la quasi-totalité de toutes les entreprises et pour les organismes de protection sociale. Avec un mot d'ordre, une interdiction de redemander une information qui sera produite dans la DSN. Si vous avez un exemple, si vous avez donné une date de radiation d'une personne à un organisme de protection sociale par la DSN, la personne, l'organisme ne devra plus vous redemander par l'intermédiaire de documents est-ce que la personne est bien sortie de l'entreprise. Une information donnée dans le fichier n'est plus à redemander. Donc, pour mettre en place toute cette loi de simplification et ce projet, donc il y a eu une mise en place d'une gouvernance particulière. Donc une mission interministérielle de maîtrise d'ouvrage stratégique a été instituée dès la fin 2011. Donc c'est missionné par le ministre des Affaires sociales et le ministre du Budget. Donc c'est gouverné par l'État. Cette mission est chargée de déterminer le contenu, les objectifs du projet, de mettre en place les conditions de sa réussite en lien avec le GIP-MDS, Groupement d'intérêt professionnel des déclarations sociales, et ses membres, donc l'ensemble des organismes de protection sociale, et d'instaurer les échanges avec l'ensemble des administrations et surtout de veiller à l'adaptation des textes nécessaires. Donc ce sont des projets de loi, il y a une série de décrets qui sont instaurés pour obliger certaines entreprises à démarrer et divers décrets spécifiques. Associé à cette mission interministérielle, bien sûr, il y a la maîtrise d'ouvrage, donc portée par le GIP-MDS, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la protection sociale. Donc en fait, tous les acteurs sont réunis autour des tables. Donc, vous avez les URSSAF, les caisses de retraite, les caisses d'assurance, la FNMF pour les mutuelles. Vous avez l'ensemble des acteurs autour de la table. Et bien sûr, ça concerne plus de 3 millions d'établissements inscrits pour environ 22 millions de déclarations sociales. La DSN, c'est un enjeu majeur de la simplification pour les entreprises. C'est un dispositif nouveau pour alléger les démarches administratives. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc ça sera une transmission unique à partir du logiciel de paye RH, c'est la continuité de votre système de paye, et ça se substituera
jusqu'en 2016, peu à peu, à l'ensemble des déclarations sociales. Bon. On abandonne la DUX, on abandonne la DADS et on passe sur la DSN. C'est une obligation légale en 2016, avec, bien sûr, possibilité d'y anticiper. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer maintenant, avec toute une phase progressive de démarrage. Donc c'est une démarche collective et progressive entre tous les acteurs. Ça concerne toutes les entreprises, les tiers, les éditeurs, les organismes de protection sociale. Et c'est un projet qui a été rendu possible déjà grâce au succès de Net Entreprise, puisque ça sera l'organisme centralisateur de votre déclaration. Donc, comme expliqué, la DSN, c'est une seule déclaration pour en remplacer pas mal. Une translation unique des données sociales directement à partir du logiciel de paye. Chaque mois, donc on arrive sur une déclaration mensuelle par établissement de paye. Les données seront transmises directement à chaque organisme. C'est une transmission dématérialisée, donc plus de papier, vers un système partagé entre les différents organismes. Un seul fichier qui sera transmis à l'ensemble des organismes. Donc une fois par mois, ce seront la transmission de toutes les données sociales nominatives. Donc c'est un amalgame, en gros, entre la DUX et la DAS, tous les mois. De façon ponctuelle, vous aurez aussi la possibilité de faire des déclarations événementielles, c'est-à-dire au plus proche de l'événement. Il y a un arrêt maternité au 5 janvier. Vous élaborez un fichier événementiel, DSN événementiel, et les organismes de protection sociale auront l'information plus rapidement que soit par déclaration papier ou lors des déclarations des ADS de l'année N plus 1. Une chose très importante, la DSN ne remet pas en cause les modalités de paiement. Donc elle est totalement dissociée du mode de paiement. Bien sûr, vous entendrez parler de nouvelles adaptations, exemple au niveau des caisses de retraite, il y aura sûrement des évolutions de paiement de manière mensuelle. Les caisses de retraite sont en train d'évoluer également pour coller au plus proche de la DSN et demander aux entreprises de venir payer mensuellement au plus proche des déclarations qui seront faites grâce à la DSN. Donc, un petit focus arrière, l'évolution des déclarations sociales. Pourquoi on est arrivé là? Donc, avant-hier, avant le Net Entreprise, ceux qui étaient avant la séance de Net Entreprise, donc vous aviez plusieurs déclarations transmises à plusieurs destinataires. On était chaque mois, en fin d'année, en train de recopier sur des papiers tous ces bordereaux de cotisation, toutes ces déclarations sociales, et on en avait autant qu'il y avait d'organismes de protection sociale. On a eu une première phase avec l'arrivée de Net Entreprise où, déjà, on est passé en mode dématérialisé vers un endroit unique. Donc les entreprises, toujours différentes déclarations à fournir, mais on centralise le point d'entrée. La DSN, ça sera une seule transmission de toutes les données sociales vers un seul centre de récupération. Bien sûr, il y aura le régime particulier MSA. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui sont concernées, qui aura son centre de récupération également. Donc un petit dessin qui rappelle ce qui vient d'être dit avant. Donc, avant, on avait 50 000 déclarations. On envoyait chaque mois, chaque trimestre, chaque année vers l'ensemble des organismes. Vers Net Entreprise, on a centralisé. Et la DSN, on n'envoie qu'une seule déclaration. Pourquoi ? Il faut que tout le monde y trouve son compte.
Donc, c'est des avantages pour tous. Pour les entreprises, bien sûr, réduction du nombre des déclarations à effectuer. C'est une simplification des déclarations, puisque un seul paramétrage au niveau du logiciel de paye, et ensuite, il y a une transmission de l'ensemble des informations. Bien sûr, c'est une sécurisation et une fiabilisation, puisqu'on ne demandera plus aux personnes de recopier sur des documents l'ensemble des déclarations. Moins de risques d'erreur, de prêts contentieux, de pénalités, puisque les déclarations sont faites régulièrement. Et bien sûr, on y dégagera des axes de performance au niveau de maîtrise, efficacité, fiabilité des données dans les logiciels de paie. Des avantages pour les tiers déclarants, on retrouve le même, hein, sécurisation et fiabilisation, puisque on aura encore une fois moins de risques d'erreur. On va revenir sur les processus et les modes opératoires, puisque là, on revient sur du process mensuel associé au process de paye. Et pour les tiers déclarants, on aura aussi des accès directs, hein, par rapport au site Net Entreprise et au site jedéclare.com et autres concentrateurs de paye. Mais c'est aussi un avantage pour vos salariés. Un exercice facilité et fiabilisé de leurs droits, c'est-à-dire que, comme l'exemple de tout à l'heure, pour un arrêt maladie qui peut être déclaré de manière dématérialisée, les organismes de protection sociale auront l'information beaucoup plus rapidement et pourront assurer les prestations beaucoup plus rapidement. Et ce que je viens de dire, une simplification des démarches pour l'obtention de certaines prestations sociales, puisque l'ensemble des déclarations, hein, les déclarations d'arrêt de travail, les sorties d'entreprise, les modifications d'établissement, les changements d'établissement, toutes ces informations-là sont transmises régulièrement au niveau de la déclaration. Les candidats de mise en œuvre. Un des problèmes en palier, l'obligation légale n'arrivera qu'au 1er janvier 2016. Donc, dès aujourd'hui, la DSN, en fait, est effective depuis 2013. Donc, elle ne concerne actuellement que quatre déclarations, les attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières de maladie, hein, comme expliqué lors de la vidéo, l'attestation employeur destinée au Pôle emploi, les déclarations et enquêtes de mouvement de main-d'œuvre destinées au ministère du Travail et les formulaires de radiation à destination des institutions de prévoyance mutuelle et sociétés d'assurance, c'est-à-dire tous les mouvements de fin de contrat. Donc, comme il est marqué, depuis 2013, si le logiciel de paye vous le permet, vous pouvez émettre des DSN et ça remplace ces quatre déclarations affectées. Depuis 2014, ça a été déployé pour les entreprises du régime agricole et avec une mise à disposition directe entre machine to machine. Depuis octobre 2014, l'ADSN viendra se substituer à la DUC sur SAS. Donc dès 2015, les entreprises qui voudront démarrer, l'ADSN ira jusqu'à remplacer les déclarations du SAS. Et les très grosses entreprises, par décret, seront amenées à y aller obligatoirement. Et en 2016, ça devient une obligation. Donc en 2016, l'ADSN viendra directement se substituer au DUX et au DADS. Alors, un bémol pour la DADS, ça ne sera pas avant 2017, puisque comme vous le savez, la DADS a toujours une année N plus 1, c'est-à-dire que les déclarations 2015 seront aussi déclarées en DADS. Donc il n'y aura plus de DADS qu'à partir de 2017. En janvier 2016, vous devez faire votre DADS quand même, puisqu'elle concerne les données de l'année 2015. Les grandes étapes de mise en œuvre. Donc,
Un petit rappel, en 2013, bien sûr, il y a eu des entreprises pilotes ont rodé le dispositif. Donc depuis octobre 2013, des entreprises ont démarré. En 2014, on a l'augmentation progressive du nombre d'entreprises. On est environ à 4 à 500 entreprises qui sont rentrées dans le dispositif depuis le début 2014. Et on a un élargissement en 2015 avec surtout un décret qui sera publié qui va obliger les grosses entreprises qui ont plus de 2 millions de cotisations, tout organisme de protection sociale confondu, à démarrer dans la DSN. On touche un peu les plus grosses entreprises. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des entreprises qui atteignent ce chiffre. Et en 2016, ben, comme on a dit, c'est une obligation, une généralisation. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous y intéresser. Si votre entreprise, alors bien sûr, il faut remplir quelques conditions, hein, puisque c'est un démarrage progressif. Donc, votre entreprise doit être implantée en métropole ou dans les DOM. Tous vos salariés doivent relever du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, et du cas général en matière d'assurance chômage. Bien sûr, vous devez être équipé d'un logiciel de paye compatible. Hein, tous les éditeurs ne sont pas actuellement au même niveau de développement au niveau de la DSN. Vous devez effectuer une paye sans décalage de paye, puisque ou au plus tard dans le 10 du mois suivant. Le décalage de paye sera intégré en 2016. Et bien sûr, tout ce qu'on a dit auparavant, hein, c'est-à-dire qu'il y a une fiabilisation des données, vous êtes sur une déclaration nominative mensuelle, donc attention à l'identification de vos salariés. Alors, le mode d'emploi, donc le JPMDMS a mis à votre disposition un site, dsn-info.fr. Vous allez retrouver pas mal d'informations, les cahiers des charges, les questions, des foires aux questions, qui vous permettra de vous renseigner et de voir les impacts. Donc, dessus, vous trouverez un questionnaire de préinscription. Hein, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il y a quand même quelques petits blocages actuellement, décalage de paye, si vous employez des personnels de fonction publique actuellement, donc ça ne rentre pas dans le cadre de la DSN actuelle, qui vous permettra, le questionnaire, de bénéficier d'un interlocuteur unique, hein, puisqu'on est en mode de fonction progressive, qui sera votre correspondant pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Bien sûr, renseignez-vous auprès de votre logiciel de paie. Donc là, on est en plein dedans. Hein, auprès de votre expert comptable pour voir s'il a la possibilité de rentrer dans le cadre. Ensuite, si vous êtes déjà inscrit sur Net Entreprise, ben, vous aurez une petite coche à venir renseigner pour vous inscrire à la DSN. Hein, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, donc c'est le site Net Entreprise qui est centralisateur de l'ensemble des déclarations. Et comme expliqué dans la vidéo, vous ne rentrez pas du jour au lendemain. Hein, il y a toujours la possibilité d'envoyer des DSN de test afin de roder votre paramétrage. Donc pour une petite info, hein, donc c'est le site DSN. Le site Net Entreprise que vous connaissez, vous vous connectez ou vous créez votre compte pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et vous suivez les indications. Donc un petit plus de la DSN, donc à chaque déclaration, à chaque envoi, vous aurez un tableau de bord qui vous sera renseigné. Hein, vous aurez l'ensemble des informations relatives à votre établissement. Donc on est bien sur une déclaration par établissement.
Vous pourrez consulter toutes les informations liées à votre dépôt, donc les états de prise en compte, un bilan d'anomalie, un bilan complémentaire, le bulletin de paie des indemnités journalières, l'attestation employeur et consulter l'ensemble. C'est un journal de bord qui a été élaboré pour l'envoi des DSN. Donc bien sûr, vous pourrez faire un suivi au jour le jour de l'ensemble de vos déclarations déposées et également, comme je l'ai indiqué, des signalements d'événements qui, en fonction de bien sûr de ce qui est attendu par rapport à l'événement. Et donc, vous pourrez suivre les dépôts de fichiers et mettre à jour vos différents identifiants pour recevoir vos accusés réceptions. Donc, il y a une petite... voilà, en gros, comment vous pourrez voir l'information. Donc, sur la partie supérieure, c'est tout ce que vous êtes inscrit au niveau des établissements. Un historique d'échange avec les dates et heures des dépôts. Un récapitulatif, quelle était la DSN qui a été envoyée, qu'est-ce qui a été rejeté. Et une partie basse pour venir déposer un fichier. Donc, c'est bien en fin de paye. On va chercher un fichier qui sera généré par votre logiciel de paye et vous le déposez sur le site, tout simplement. Donc, comme indiqué, rendez-vous sur le site dsn.info-info pour vous inscrire, pour répondre à vos questions. Donc, vous avez toute une série d'informations, de foires aux questions, et pour vous accompagner dans le démarrage. Face à ça, comme indiqué lors des témoignages, il existe un numéro de téléphone unique qui est un centre d'appel virtuel partagé entre 4 organismes qui vous répondent pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Donc, je vous laisse découvrir le numéro. Donc, derrière, vous avez un seul correspondant qui pourra vous renseigner pour l'ensemble des déclarations.